Ça me donne envie d'ailleurs de vous lire ce poème magnifique de Maître Eckhart qui s'appelle Le grain de Sénévé. C'est un extrait donc du grain de Sénévé. C'est, mais personne ne sait quoi. C'est ici, c'est là, c'est loin, c'est près. C'est profond, c'est élevé, c'est ainsi. Ce n'est ni ceci ni cela. C'est lumière, c'est clarté, c'est toute obscurité, c'est innommé, c'est inconnu, sans commencement et sans fin. C'est un lieu silencieux qui s'écoule, indéfini. Qui connaît sa maison? Qu'il en sorte celui-là et nous dise quelle est sa forme. Deviens comme un enfant, deviens sourd, deviens aveugle, le quelque chose qui est tien doit devenir rien. Quelque chose ou rien, tout va au-delà. Laisse le lieu, laisse le temps, laisse aussi l'image. Va sans chemin sur le sentier étroit, ainsi viens-tu à la trace du désert. Ô mon âme, sors et entre en Dieu. Enfonce le quelque chose qui est mien dans le rien de Dieu. Enfonce-le dans les flots sans fond. Que je m'enfuis de toi et tu viens à moi. Que je me perde et je te trouve. Ô bien suressentiel. C'est par la négation de tout que je découvre en moi une positivité absolue, en arrière-plan, qui avait toujours été là. Mais elle ne se découvre réellement, directement, que lorsque tout ce que l'on n'est pas a été reconnu comme illusoire par rapport à cette réalité qui est toujours là. Alors pour les noctambules, je vous signale que je serai avec de bons amis sur Radio Ici Maintenant, 23h à 1h du matin, samedi prochain, dans l'émission de Olivier Vinet, Nouvelle Conscience. Le thème, c'est la musique classique et le sacré. Je serai avec un ami, Pascal Amoyel, qui est un grand concertiste, pianiste. Et aussi mon ami Christian Boncompain, Chris, avec qui je réalise un double album qui s'intitulera Stat Songs. Et nous évoquerons la musique comme voie d'accès, comme plein d'autres évidemment. Mais la musique joue un rôle particulier dans l'histoire des humains.
comme possibilité de retour au soi. Voilà, voilà, mes amis. Adieu. Namasté. À maintenant. Hein. Et puis, oui, namasté aussi. Merci à tous, à toutes. Et belle fin de journée pour les Canadiens, belle fin de soirée pour les Européens. Et à tout bientôt. En tout cas, à maintenant.